record in a bit before I show the rest. Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Thank you very, very much for joining us today for this event that you're organizing on the sidelines of the CSW66 that started in New York. So it's my pleasure to welcome all of you. And we have an amazing panel here today for this very interesting and timely discussion on financing. Just to also reiterate that this also is work that is important for what we are doing. I'm here in Geneva for the CBD meeting and just trying to see these linkages. So once again, formally welcoming you all for this event, virtual event, Enabling Her, Indigenous Women and Their Access to Climate and Biodiversity Finance. This event has been co-convened together with Women for Biodiversity, IFIP and FIMI. Before we start, I just also would like to inform you that to be able to outreach and make sure that we have more participation, interpretation is also being provided, supported in French and Spanish. Just to some house logistics. So guidance for attendees, please, we encourage all of you to please put in your name and organization in the chat. So you also have know where everybody's calling from. And also, so please write your name in full, organization in your Zoom name also. Please also direct your questions in chat. Type your questions and comments in the chat box. Indicate your country and for who among the speakers your question is for. And also encouraging that if you're running out of time, we also encourage our panelists to also take the opportunity of those questions and may also feel free to respond them in the chat also. For the language, to choose language for the event, please click on the globe in the Zoom button below and select the language that you would like to have the interpretation for. So thank you very much for being here. Can you go to the next one, Claire? Claire, can you change the slide? So before we go, we just wanted to have broaden this, the objective of what you're really looking for the side event. So it's to bring the voices and experiences of Indigenous women and their role in the climate and biodiversity solution, bringing the perspectives of Indigenous women and funders community on the need and urgency of gender-friendly climate and biodiversity financing. Also, to understand the roles of the philanthropy community in building and developing plans and strategies in supporting Indigenous women and their organizations, networks, and their agencies. So a question would be is, what kind of accountability mechanism needs to set to increase access? So having set this objective, please let me start also by giving my own introductions. My name is Mrinalini Rai, and I'm the Director for Women for Biodiversity, and I will be moderating today's session. So today we have an amazing and wonderful, wonderful panelist, a group of strong, absolutely, and have known some of them for a very long time, advocates working on Indigenous women's and different forums from the global to the national to the local. So I'm just going to quickly give an introduction for the all the speakers. So first, we'll be also having the opening remarks from Lauders from IFIP. And before we go further, we will first start our event with a spiritual opening by Rita Thapa. Événement avec une ouverture spirituelle du Népal. Donc, elle
Depuis nous avons Shiba qui travaille avec les peuples autochtones au Népal, Rita, à vous la parole. Elle travaille avec le peuple autochtone du Népal. Bonjour, je suis Rita Tapol. Merci à vous tous. Je viens du Népal. Nous allons procéder à l'ouverture spirituelle de la séance. Donc, nous voulons nous connecter avec la terre-mère. Je veux donc faire cette prière. Donc, nous mettons une plante dans de l'eau. Donc, je vais offrir de l'eau à nos ancêtres et de l'eau à notre côté est, à notre côté ouest, à notre côté sud et à notre côté nord. Et puis, j'offre des fleurs. Et puis, j'allume la lampe pour offrir de la lumière à nos ancêtres et aux dieux et aux Oui, j'offre ces fruits à notre Dieu, à nos ancêtres, pour la connexion. Et j'offre ce foulard à nos ancêtres. Et j'offre de l'eau à nos bienfaiseurs, à nos parentés, à nos membres de la famille, à nos amis et cette eau bénite à notre Margaritas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ritu, pour cette ouverture et bénédiction de la séance. Merci beaucoup d'avoir appris votre temps. Donc, après cette ouverture à notre événement, je prends l'opportunité de donner Inga, donc le DSA a une expérience internationale dans la justice sociale, égalité de genre. Lourdes, il fait travaille avec les philanthropies autochtones. Ça préconise donc les financements pour les peuples autochtones. Donc, sans tergiverser, je laisse la parole à Lourdes. Prenez la parole pour faire votre allocution d'ouverture. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci pour la bienvenue. Je m'appelle Lourdes Inga. Je suis directrice exécutive et d'ailleurs internationale pour les peuples autochtones qui s'appelle IFIP.
je vous rejoins du nord de la Californie. AFP en tant qu'organisation promouvant la collaboration et les partenariats avec les peuples autochtones et les philanthropies. Nous travaillons avec la communauté philanthrope pour augmenter leur financement auprès des peuples autochtones. Nous voulons que les communautés philanthropes abordent le problème de manquement de financement et l'inclusion des peuples autochtones au niveau du financement philanthropique. Selon l'OIT, les peuples autochtones représentent 600 millions de la population mondiale. La part différents rapports, nous avons entendu que les peuples autochtones réservent 8% de la zones autochtones. Donc, nous avons des différents rapports où nous voyons que les femmes autochtones sont des actrices clés au niveau de la préservation de la biodiversité. Ce sont des gardiennes des plantes médicinales et de la biodiversité. Elles gardent aussi, détiennent aussi la connaissance traditionnelle qui est importante pour le développement durable. Aujourd'hui, ici, nous savons que les femmes autochtones sont des décideurs et dirigeantes visionnaires. Nous recherchons donc l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte du changement climatique et les politiques de réduction des catastrophes. Donc, je suis fier de tisser le partenariat avec FIMI et la biodiversité pour travailler sur la question de leadership des femmes autochtones. Les femmes autochtones jouent un rôle important au niveau des communautés, au niveau national, au niveau international. Donc, l'accès au financement philanthropique est important pour financer leur travail et initiatives. Pour cette raison, je fais appel aux philanthropies pour augmenter leur financement aux organisations, réseaux et font des femmes, pas seulement les petites subventions, mais un financement de même niveau avec les autres organisations pour permettre le changement et la protection de la biodiversité. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous pour écouter les intervenants qui vont nous présenter, qui vont nous dire comment les différentes femmes jouent des rôles différents à un niveau différent. Merci et je vous redonne la parole. Merci, Lourdes, pour avoir planté le décor sur l'objectif de ce webinaire. Vous avez aussi indiqué que nous sommes à New York lors de cet événement de la sixième séance de la Convention sur la condition de la femme. Il y a donc la discussion sur la biodiversité, il y a aussi les discussions portant sur le financement aussi. Donc, Lourdes nous a dit que c'est important de comprendre l'apport des femmes, leurs droits, à l'accès d'accès aux ressources et au financement. Nous devons donc accompagner les femmes autochtones et leurs réseaux et organisations en matière de financement. Ceci dit, je voudrais maintenant inviter trois de nos intervenantes autour d'une table ronde. D'abord, je vais vous faire une présentation à ces trois intervenantes. Nous avons Jane Capas, qui provient des Kekon Peoples for the Mountains of Philippines. Elle est avocate et elle est la directrice principale
du plaidoyer international. Et puis nous avons Khan Laya. Elle est... militante des droits des femmes autochtones. Elle provient du réseau des femmes autochtones du Thaïlande. Elle contribue depuis une décennie du travail. Elle travaille avec les femmes autochtones, donc, y compris donc, sur le travail sur la violation des droits des femmes autochtones à Thaïlande. Troisième panéliste, c'est Diana D'Amico. Elle est une jeune femme autochtone de l'Ibarabada, du peuple Ibara, du carnaval Alta San Jose Reservation en Colombie. Elle a de l'expérience avec les processus communautaires, avec les jeunes et les femmes, et a permis donc de réunir des jeunes et des femmes dans des espaces. Donc, elle fait partie actuellement du réseau des femmes autochtones dans la région latine, Amérique latine et Caraïbes. Elle fait partie aussi de la Caucase des jeunes du Sud, des pays du Sud. Est-ce que je peux demander à tous les intervenants d'activer leur vidéo? Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous ne voulons pas faire des présentations, mais nous voulons tout simplement organiser cet événement au vu des réalités des femmes autochtones. Je vais donc poser des questions et des collègues en ligne, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Et nous avons certains de nos collègues qui vont nous aider. Si vous avez des questions techniques au niveau de l'interprétation, merci de nous le faire savoir. Je vais essayer de parler doucement pour veiller à ce que l'interprétation marche comme il faut. Kanlea et Diana, d'après vos expériences, parce que votre travail apporte vraiment sur les jeunes sur le terrain. Kanlea, d'abord, à vous la parole. Quels sont les impacts de la dégradation environnementale et le rôle joué par les femmes autochtones dans l'offre des solutions? Bonjour, il est 20h à Thaïlande. Tout d'abord, je tiens à remercier Tina pour m'avoir invité à participer dans ce forum. S'agissant de votre question, vous parlez donc de l'impact de la dégradation environnementale sur les femmes autochtones. Il y a des différents impacts directs et indirects. Les impacts directs, comment dirais-je, en raison du changement au niveau des températures, et le fait que l'eau se sèche, la terre devient non fertile, cela a mené à la baisse de production culturelle. Et comme vous le savez, les femmes autochtones sont des paysannes et dépendent de la fertilité. De la fécondité plutôt des sols et des températures. Et donc la dégradation de l'environnement et les températures élevées impactent beaucoup la productivité de l'exploitation agricole au niveau communautaire. Cela a non seulement impacté les enfants, mais aussi les enfants, les seniors, mais les personnes vivant avec le handicap, parce qu'ils ne peuvent plus accéder à suffisamment d'alimentation, à de l'eau potable. Ça, ce sont les impacts directs.
les impacts indirects, c'est les maladies, à savoir la nutrition, la malnutrition. Et nous savons que le manque de ressources a mené à des violences domestiques, surtout pour les femmes et les enfants et les seniors et les personnes vivant avec handicap. Donc, ces impacts indirects, c'est les lois et les politiques formulées par nos gouvernements en raison de la dégradation environnementale. Nos gouvernements donc, ont formulé beaucoup de politiques et des lois sur ça conformément aux accords internationaux. Par exemple, en Thaïlande, le gouvernement a promis les communautés internationales qu'il va augmenter les la couverture forestière, donc de 30% à 44%. Et ce faisant, en fait, dans les 5 dernières années, ils ont pris à peu près une centaine d'hectares qui étaient utilisés pour la l'exploitation agricole pour donc en fait les reboiser. Donc ça c'est au niveau des politiques et de mise en œuvre. Donc il y a beaucoup de peuples autochtones et beaucoup de personnes locales qui ont été arrêtées parce qu'ils ont été bravés de leur terre. Donc ils militaient. Donc les gouvernements ont doublé le défi auquel sont confrontées les femmes autochtones. Donc, faut changer les méthodes d'exploitation agricole pour être en phase avec la déclaration, etc. OK, merci beaucoup. Ça, ce sont les réalités. Portant sur ce qui se passe actuellement et nous devons donc les aborder. Ce sont des questions clés qui se produisent. Je voudrais maintenant donner la parole à Diana en tant que jeune autochtone. Est-ce que vous pouvez nous parler donc, de vos défis? Quelles sont vos expériences? Et quels sont les rôles joués par les jeunes autochtones pour offrir des solutions? Bonjour. En tant que sœur, issus des peuples, des femmes, des peuples autochtones de l'Amérique latine, spécifiquement, je viens de Colombie. Je vais vous expliquer les impacts environnementaux vécus par les peuples autochtones colombiens. Il y a, par exemple, les cours bas, les vagues de chaleur, les coups de barre. Il y a des rivières qui se trouvaient dans les zones habitées par les peuples, les communautés autochtones qui se sont séchées. Et les peuples autochtones qui vivent dans ces zones sont affectés. Et les jeunes aussi sont affectés, les jeunes autochtones.
Ils ont donc organisé un événement avec les jeunes donc, où ils ont expliqué qu'au niveau des dans leur territoire, il y avait des multinationales qui étaient en train de abattre les arbres et également entreprendre les activités minières. Et il n'y avait pas de plantation de nouveaux arbres, ce qui constitue une grande organisation, parce que nous avons des grands projets pour les multinationaux et qui sont vraiment se soucier à la terre. Il y a le cas de Utawai avec les populations de Terroi qui nous disent qu'au mois de janvier, au mois de février, il y avait donc une vague de chaleur qui s'élevait à 40 degrés Celsius. Donc, n'était pas possible de cultiver de culture. Et la sécheresse touchait donc les communautés autochtones. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des femmes autochtones? Notre rôle en tant que jeunes, quel est notre rôle en tant que jeunes? Clairement, cela a beaucoup plus d'impact sur nous parce que ce sont les femmes qui sont impliquées dans l'agriculture. Nous faisons le lien avec le soleil, la lune et le calendrier lunaire pour commencer la saison de semis. C'est difficile de s'adapter au changement climatique et à la sécheresse. Parce que cela fait souffrir les femmes. Nous recherchons les solutions pour la culture, la nutrition, pour nous permettre de prendre soin des familles de notre côté. Les femmes sont bien sûr chargées de transmettre le savoir autochtone aux générations futures. Nous avons des mécanismes de nous protéger sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de femmes qui organisent des discussions de sensibilisation qui guident les jeunes. Comment planter des arbres? Quel mois ils peuvent le faire? En quelle saison ils peuvent le faire? Comment demander l'aide des ancêtres pour lutter contre le changement climatique, la sécheresse. Et nous... Merci, Adriana, d'avoir partagé votre expérience et vos défis. Et de nous dire également que les femmes autochtones sont également à la recherche de solutions, s'occupent de la communauté. Avant de passer dans d'autres séances, nous allons parler à Jen sur le soutien à financier. Je voudrais revenir un petit peu à Kanlai en posant cette question. L'une des choses, l'une des initiatives dont on voulait s'impliquer, ce sont les écarts qui font que les femmes autochtones ne soient pas en mesure d'avoir accès aux opportunités de financement au vert, si vous voulez bien partager quelques idées là-dessus. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très intéressante pour nous, comme vous pouvez le voir. Je suis une personne autochtone, je suis une femme autochtone et je ne parle pas très bien l'anglais. Alors, le défi que nous avons en tant que peuple autochtone, femme autochtone, c'est bien sûr la barrière langagière. En tant que peuple autochtone, nous ne
parlons pas, comment dirais-je, on n'arrive pas à nous exprimer correctement. D'abord, nous apprenons notre langue maternelle. Une fois que nous allons à l'anglais, nous apprenons le thaï, qui est la langue nationale, et après l'anglais, hein, au niveau de l'université. Et la plupart d'entre nous n'ont pas la chance vraiment d'aller à l'université. Ce qui veut dire que la plupart d'entre nous ne parlons pas l'anglais. Voilà le plus grand défi que nous avons, qu'on n'est pas en mesure de lire, de parler ou de comprendre l'anglais. Et même pas la langue thaï. Nous sommes des femmes. Et donc, selon notre culture, les familles priorisent l'éducation des garçons qui sont envoyés à l'école au détriment des femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas eu l'opportunité de poursuivre les études supérieures et la plupart sont arrivées seulement à la deuxième année de l'école. Donc, la langue, barrière langagière, représente un défi majeur. Notre défi, étant donné que nous sommes une organisation locale, organisation de base, au niveau de notre pays, on ne peut pas nous enregistrer en tant qu'organisation. Il est important d'avoir beaucoup d'argent. À peu près 8 000 $ américains. C'est très difficile de trouver cet argent pour nous permettre de nous enregistrer en tant qu'organisation. Voilà. Cela a également constitué un obstacle majeur pour nous, au niveau de notre organisation, mais également pour d'autres organisations de femmes autochtones, pour avoir de mécanismes de financement, hein, avoir accès au financement, à la fois au niveau national, mais également au niveau international. Merci, merci. Je crois que ça, c'est l'un des éléments, bien sûr, dont il faut parler. Parce que quelquefois, on oublie que les obstacles peuvent être des choses aussi simples que la barrière langagière. Ce dont vous avez parlé, et je vois également les conversations dans le chat. Et il y a quelqu'un déjà qui a fait un hashtag qui dit que lorsque on recherche le financement pour les peuples autochtones et les femmes, la plupart du temps, leurs ressources de financement sont très faibles, sont très bas. Vous pouvez utiliser ce hashtag, qui est très important, parce que lorsqu'on parle de changement climatique, la biodiversité, ce sont les thématiques très importantes en matière de mobilisation de ressources qui sont discutées dans les espaces internationaux de la CCNUC. On parle de millions de dollars. Manque de capacité institutionnelle constitue également un obstacle pour l'accès au financement pour le peuple autochtone, mais également pour les femmes et les jeunes autochtones, parce qu'ils ne sont pas parrainés par les organisations. Merci, June. C'était des défis, bien sûr, qui peuvent paraître simples, mais qui sont très importants. Parce qu'on, étant donné qu'on parle de différentes régions, c'est important de voir les communalités, hein. En tant que jeune, en tant que femme autochtone de Colombie, quels sont les écarts? Je vais poser en fait la même question, hein, sur l'accès de financement sur le changement climatique et la biodiversité. Voilà. Pour nous,
nous, en tant que femmes autochtones et en tant que jeunes, nous avons des problèmes. Il est important qu'on ait l'appui. Lorsque je parle de l'appui, quand on parle de l'appui, on oublie les femmes et les jeunes autochtones. Ils sont laissés pour compte. Et on est obligé de nous défendre nous-mêmes. Il y a manque de soutien des femmes et des jeunes autochtones. Nous avons besoin d'un appui constant pour savoir si l'appel au projet peut être fait de manière, bien sûr, exigée dans la documentation. Notre obstacle, c'est l'obstacle langagier. Moi, vous savez, j'ai appris à parler l'espagnol. Ça fait 15 ans que je parle, mais en tant que jeune femme, nous ne pouvons pas parler espagnol, ni l'anglais ou toute autre langue, ce qui fait qu'il soit difficile de participer dans ces forums et voir comment également nous pouvons participer aux appels au financement. Troisièmement, c'est que beaucoup de pays ne reconnaissent pas les populations autochtones. En Colombie, nous ne sommes pas reconnus pour s'assurer que les droits et des femmes et des jeunes autochtones soient respectés. Nous devons faire des manifestations dans la rue. Même le plan, le développement national là, qui met l'accent sur le peuple autochtone ne sont pas appliqués lorsqu'on parle des femmes autochtones. Il n'y a pas de ressources pour les femmes et les jeunes autochtones. Notre défi que nous avons au niveau des organisations, c'est que beaucoup d'organisations, en fait, sont dominées par les hommes. La plupart du temps, on peut voir que au niveau de la direction, ce sont les hommes qui dominent, ce qui constitue un obstacle très important, hein, qui fait que nous, femmes, on n'est pas en mesure vraiment de nous exprimer à pied d'égalité. Il est important de penser également aux femmes autochtones. Hein. Et c'est important de penser également aux femmes autochtones pour que nous puissions parler des questions de changement climatique, de réchauffement climatique, pour que nous puissions nous exprimer sur beaucoup de thématiques. Hein. Nous pouvons le faire spirituellement, mais comme vous pouvez le voir, cela fait partie d'un corps, une entité spirituelle. Et il faut bien sûr qu'on puisse en être plutôt sur le même longueur d'onde avec la terre nourrice. Vous savez, lorsqu'on parle de ces questions, c'est comme si on parlait en fait d'un problème tout à fait différent, les défis auxquels font face les femmes autochtones. La plupart des organisations sont dominées par les hommes, ce qui fait que les femmes et les jeunes autochtones ne soient pas en mesure de s'exprimer. Donc, moi, personnellement, il est important de s'assurer que les hommes et les femmes autochtones travaillent main dans la main pour parler du changement climatique, de la diversité biologique et différentes thématiques présentées à différentes institutions peuvent mieux être développées la plupart du temps. On n'a pas accès au sens financement dans le contexte de la biodiversité. Hein. Et il y a des opportunités très limitées et lorsqu'il y en a, il y a beaucoup d'exigences. Et
En fait, les documents sont exprimés dans, sont écrits dans des langues que nous ne comprenons pas, hein, que nous ne parlons pas, nous n'avons pas accès, nous n'avons pas de soutien, nous n'avons pas de conseil. La plupart du temps, quand nous avons des outils, je ne comprends pas la langue. Nous connaissons beaucoup de problèmes. Il y a des grands projets, des multinationales, exploitation de ressources minières, et la plupart du temps, les opportunités de financement ne sont destinées qu'aux grandes organisations. Il est très difficile d'avoir ces opportunités de financement. Quand on est organisation de jeunes ou de femmes autochtones. Et je voudrais que Jennifer nous donne, nous dise rapidement, partage avec nous rapidement, le rôle de la philanthropie pour combler l'écart entre hommes et femmes et accroître le financement climatique. Merci Tina pour cette opportunité de partager quelques idées sur ce sujet. Je m'excuse parce que je suis dans un lieu public, mais parce que là, je porte différents casques, ce qui veut dire que je dois partir dans quelques minutes pour mener une négociation dans le Forum international des Autochtones sur les cibles sur la conservation. Alors, d'autres casques, je partais à une organisation qui s'appelle Niatero. Nous soutenons les organisations autochtones. Nous soutenons les populations à déplacer, comme l'ont dit les autres intervenants, pour beaucoup de communautés autochtones, la structure de leadership est dominée par les hommes. Nous travaillons donc pour voir comment on peut changer les structures de leadership qui sont dominées par les hommes. Nous exigeons l'équilibre de genre, la représentation des femmes, et nous assurons bien sûr qu'il y a équilibre, parité, hommes-femmes. Et il y a également des promesses philanthropiques annoncées l'année passée. L'une des annonces, c'était 1,7 milliard pour soutenir les initiatives de reboisement dans l'atténuation. Et nous avons également une promesse de 5 milliards pour soutenir la conservation plutôt de la diversité, notre rôle dans ces réseaux, dans ce groupe de bailleurs, c'est de s'assurer qu'il y a bien sûr des garde-fous pour les communautés autochtones. Et il est important de reconnaître la marginalisation historique des femmes autochtones. Voilà l'approche que nous cherchons à adopter, travaillons pour développer, élaborer un ensemble de principes qui vont garantir l'équité, y compris la parité homme-femme vis-à-vis l'accès au financement. Et pour aller plus loin, nous cherchons également à mettre en place un mécanisme pour traiter les plaintes, le grief, lorsque les principes adoptés ne sont pas observés. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité de vous parler et je vous souhaite de très bonnes délibérations. Merci, Jeanne. Je sais que les négociations vont commencer dans quelques minutes. Merci d'avoir pris le temps de nous parler parce que vous travaillez dans ce secteur. Nous voulions également savoir ce qui se passe, mais également partager ces informations de différentes voies hein, qui vont nous permettre de progresser. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Nous vous souhaitons bonne chance hein, dans les négociations et j'espère vous voir également
dans ces négociations. Nous avons, ça c'était pour donner le temps vis-à-vis de la réalité, les exigences, les recommandations des différents membres du réseau. Il y a Jing qui va expliquer ces mécanismes importants de financement et la sensibilisation que nous devons faire. Ce qu'il fera également pour les mécanismes de financement climatique ou pour la biodiversité, le principe de ne causer aucun préjudice, mais garantir également la parité homme-femme. Maintenant, on va donner la chance aux participants d'apporter leur contribution. J'ai vu des discussions très intéressantes dans le chat. Je ne peux pas pleinement voir le chat. S'il y a quelqu'un qui voudrait, au sein des participants, qui voudrait s'exprimer, vous pouvez y aller pour revenir à la discussion que nous avons eue au début. Je sais qu'il y a également des écarts pour le financement des projets des populations autochtones, y compris les projets des femmes, et les défis engagés. Nous avons une vingtaine de minutes. Je vais prendre des questions de l'assistance. Je peux voir, il y a Estella qui voudrait poser une question. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question, veuillez me signaler. Parce que je ne suis pas en mesure de voir l'écran. Estella. Bejarano, vous avez la parole. Bonjour. Je m'appelle Estella Bejarano. Je suis à Jujuy, dans le nord de l'Argentine. Communauté Acodia. J'appartiens à cette communauté. Maintenant, nous travaillons avec différentes communautés sur les initiatives portant sur le changement climatique, l'impact du changement climatique. Un grand pourcentage des communautés autochtones de COGES sont des paysans. Ce que nous aimerions demander, poser ici comme question, c'est la suivante. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les différents intervenants ont parlé vis-à-vis du financement. Je crois que la suggestion la plus importante que je voudrais donner, c'est celle-ci. Que les exigences soient assouplies. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire pour permettre aux communautés d'avoir accès à ce financement, deuxièmement, qu'il y ait plus de communication, beaucoup plus d'informations sur différentes opportunités de financement, voir comment cette information peut atteindre la communauté vis-à-vis le processus accepté au niveau des pays, au niveau des municipalités. Nous aimerions avoir le rapport sur les projets financés parce que en 2008, nous avons reçu des informations
de l'État plurinaturel de Bolivie pour établir un rapport sur les impacts du changement climatique et sur la désertification. Et après cela, il y avait plus d'informations. Trois. Il est important que les femmes et les jeunes autochtones aient également accès à ces opportunités de financement. Les jeunes vivent des situations difficiles où les narcotrafiquants les exploitent, où ils sont exploités par les narcotrafiquants. Il faut donc que nous, en tant que femmes, en tant que celles qui donnent la vie, s'occupent non seulement de notre famille, mais également de notre environnement. J'aurais aimé vous dire plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais sinon, je partage, je suis tout à fait d'accord avec ce dont on vient de dire. On ne peut pas parler des mouvements des femmes internationales si les jeunes ne sont pas impliqués, si les projets d'autonomisation des femmes ne sont pas pris en compte. Merci beaucoup. Merci pour cette réflexion très intéressante. Nous avons des femmes championnes très importantes. Alors, l'idée d'avoir ce webinaire, c'était de nous permettre de soumettre ce message à la séance CHW qui a lieu en ce moment à New York. La thématique pour cette année, c'est sur le changement climatique, l'environnement, ainsi que la réduction des risques des catastrophes. Nous espérons fournir toutes ces contributions aux participantes qui se chevauchent, aux participantes qui se chevauchent. Et il est important de voir comment nous pouvons en travailler ensemble. J'utilise un exemple de Jane. D'autres collègues qui étaient là, il y a Lucy qui était là, dans ces différents espaces. Voir comment on peut faire entendre la voix des femmes autochtones. Et il y a donc des discussions très importantes autour de cette thématique. Stella, ce dont vous avez parlé est très important. Et Diana, vous avez parlé de la participation. Participation dans les processus décisionnels. Comment on peut avoir accès au financement et les différents programmes et les politiques à mettre en place au niveau national pour au profit des femmes autochtones. Et Shoma de Inde, qui je vais demander de partager ses opinions. Je vais vous demander d'être brève pour qu'on puisse donner l'opportunité aux autres. Je serai brève. Et il va aller tout droit aux discussions que nous avons suivies hier. Donc, pour les communautés autochtones, les femmes marginalisées, la question de le fait que nous ne recevons pas, bien sûr, de soutien font que ce soit les autres qui profitent. Donc, on peut voir qu'il y a un impact négatif sur la communauté autochtone. Il y a des discussions avec les décideurs au niveau de Vienne. Il est important à ce que ce groupe soit représenté et à ce que ces questions soient soulevées
sur la question de la biodiversité et du rôle des femmes dans la conservation de la biodiversité et gestion de ressources naturelles. Vivre en harmonie avec la nature, cela doit être un élément très important de la déclaration qui sortira de la conférence. Je voudrais demander aux membres ici de considérer toutes ces questions au niveau de la Convention sur la biodiversité. Je sais que Jennifer et les autres travaillent d'arrache-pied pour s'assurer qu'il y ait toutes ces questions soit également considéré. Il est important de voir des intersectionnalités et de demander à nos États, à nos gouvernements, de considérer cela comme priorité pour reconnaître les femmes dans le leadership et définir les voies pour y parvenir. Merci beaucoup, Oshoma, pour ce message d'encouragement. Cela aide à orienter notre travail. Ici, oui, vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais donner l'opportunité aux autres. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Absolument. Ce que vous avez dit est très important. Et il est important de travailler d'arrache-pied, parce que nous suivons tous la CSW pour s'assurer que nous puissions consolider nos énergies, parce que les femmes autochtones se trouvent à l'intersection de ces réunions. Comment soumettre ces messages à collectif, non seulement au niveau de la Convention sur la biodiversité, CSW, mais également aux autres processus internationaux. Il est important de reconnaître que nous devons renforcer les synergies, faire entendre notre voix sur ces questions. Merci. Je vois également, je m'excuse, je viens de voir un message comme quoi il y a des traductions qui se chevauchent, mais je crois que tout va bien maintenant. Y a-t-il d'autres collègues panélistes qui voudraient dire quelque chose d'autre, y compris Lorda, s'il y a beaucoup de questions sur la philanthropie, sur le financement, est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus? Merci, merci pour tous les commentaires que vous venez de partager dans le chat. Très intéressant de voir combien nous participons tous activement et voir comment nous pouvons travailler, collaborer ensemble. Et nous sommes un réseau qui se focalise sur l'éducation, la promotion de partenariats ainsi que de pratiques de financement. Et il y a d'autres conversations, d'autres partenariats que nous tissons à la fois avec les mouvements de femmes autochtones, mais également avec les partenariats avec les peuples autochtones, les réseaux des peuples autochtones, les organisations des autochtones. Nous sommes une organisation. Nous focalisons sur la philanthropie. Travailler en parallèle avec les mouvements et de discuter, mettre en place des stratégies, comment ensemble nous pouvons garantir à ce que la philanthropie soit transparente et responsable. Les promesses qui ont été faites à la COP, sachant l'histoire de la philanthropie, notre focalisation, notre attention, c'est de demander la transparence, la reddition de comptes. Il y a le financement donné directement aux communautés autochtones, aux organisations autochtones. Ce que nous voyons, ce que nous continuons de voir, c'est le défi de financement. Quelquefois,
il n'y a pas de transparence, il y a manque de redevabilité. Ça, c'est mon avis personnel et je sais que mes collègues qui sont également dans cette réunion sont prêts à travailler avec FIMI, mettre en place des stratégies, travailler de manière collaborative pour promouvoir la philanthropie, mais pour ouvrir d'autres opportunités de philanthropie. Il y a beaucoup d'autres opportunités qui vont nous permettre d'avoir la conversation. De notre côté, je crois que l'un des meilleurs endroits pour commencer cette conversation, c'est d'avoir à la fois les conversations directes et consolider les relations en travaillant avec des bailleurs. Et il est important de s'assurer que les organisations des peuples autochtones et surtout des femmes autochtones bénéficient de ce financement, mais il faut qu'ils soient également négociatrices. Parce qu'ils vont apporter une nouvelle perspective d'engagement dans ces processus. Cela va nous aider à promouvoir les droits individuels, mais également collectivement les droits des peuples autochtones. Merci beaucoup. Vous avez dit que dans l'espace mondial, dans l'espace climatique, convention de la diversité, il y a de grands mécanismes de financement qui sont discutés et qui doivent également soutenir les populations autochtones. Il faut qu'il y ait un mécanisme solide de reddition de comptes, mais également des garde-fous, s'assurer que ces mécanismes de financement ne vont pas à l'encontre des droits des peuples autochtones ou que les projets qui sont financés ne vont pas à l'encontre des droits des peuples autochtones. Il y a des discussions comme quoi qu'il y a un espace de reconnaître que le peuple autochtone doit avoir accès à leur propre financement et s'assurer que les organisations autochtones puissent avoir accès à leurs propres fonds pour faire leurs propres projets, qu'ils aient le droit de choisir les projets sur lesquels ils voudraient travailler, que cela soit des opportunités, le financement climatique ou sur la biodiversité. Merci beaucoup pour ce commentaire. Il y a des collègues qui ont partagé un document qui demande à ce que les bailleurs soient transparents vis-à-vis des engagements qu'ils ont pris. Et voilà la collaboration que nous recherchons. Cela va nous aider d'utiliser ces exemples. Ayant dit cela, et merci beaucoup pour cette opportunité d'avoir apporté ces expériences très riches. On aurait aimé avoir une séance plus longue, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais maintenant inviter Teresa de FEMI, Teresa Tabata Mendoza, qui est une femme autochtone originellement de Guatemala. Elle est directrice exécutif de FIMI, Forum international des femmes autochtones. Elle travaille également en tant que responsable gouvernemental dans le programme de peuples autochtones en Amérique centrale. Elle a participé dans la lutte pour les droits des femmes autochtones depuis plus de 15 ans. Teresa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants de la vie, de l'univers, de toutes les énergies qui sont présentes. Et
d'avoir écouté différentes oratrices. Nous sommes conscients des énergies de toutes les personnes qui participent aux négociations, qui essaient de faire connaître les défis auxquels nous faisons face, mais également faire connaître nos contributions. Je voudrais vous dire bonjour. Et en tant que leader des femmes autochtones, nous avons des droits individuels et collectifs. Important d'écouter les voix de nos sœurs ici et au-delà, leurs expériences, partager leurs connaissances. Le travail à quel fond, je me dis, si on nous donnait cet espace qui nous appartient pour la prise de décision, on aurait amende difficile, amende plus complémentaire, parce que nous avons une vision collective et non pas des visions individuelles. Et en écoutant mes sœurs parler, je me disais, dans la culture mayenne, ce symbole rond est tellement important, parce que c'est comme cela que nous nous soutenons mutuellement. Tout est interconnecté. Tous les différents éléments de la vie sont interconnectés à partir des problèmes que nous avons, des solutions que nous pouvons apporter. Et ça, c'est le premier élément dont je voudrais parler, que les femmes autochtones, nous avons des droits, comme disait Diana. Mais il est important également qu'on nous permette d'apporter notre contribution. Le deuxième point que je voudrais évoquer touche aux défis dont on a beaucoup parlé. Et maintenant, nous voyons qu'il y a, au niveau de la conférence de l'année passée, beaucoup de ces thématiques, beaucoup de ces préoccupations ont fait l'objet de discussions. Nous avons parlé également de beaucoup de pratiques. Nous avons des recommandations, mais également des informations importantes que nous continuons à utiliser en tant qu'outil politique qui peut être intégré et représentant plus de 500 femmes autochtones qui ont participé virtuellement, mais qui portaient également la voix des autres femmes. Et étant donné le problème des langues, de langue coloniale, cela a été un frein à notre développement. Cela ne nous permet pas d'avancer, d'avoir accès à l'éducation, à la formation, le processus décisionnel politique. On ne peut pas non plus avoir accès au financement. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de contraintes. Et c'est la réalité que nous vivons. Et le plus grand exemple, comme on a dit, la diversité langagière, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Ce n'est pas aussi facile de dire que nous allons faire les projets dans notre propre langue. Les dynamiques sont vraiment difficiles. Il faut un changement. Nous avons des organisations locales qui sont liées aux organisations nationales, internationales. Mais nous avons le défi de tisser des
partenariat. Les langues coloniales constituent un obstacle. Alors, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place? Il est important d'aborder ce problème. On ne peut pas tout simplement dire que nous allons utiliser nos langues locales au niveau international. Il est important de réfléchir aux différents outils que nous pouvons utiliser, hein, pour résoudre ce problème. Un autre aspect dont on a parlé et dont je voudrais parler, c'est la formation au niveau des organisations. Nous savons que le système colonial a bien sûr a fait qu'il est très difficile d'enregistrer nos organisations. Nous savons que nous avons la capacité, nous avons le leadership. Et nous savons que pour avoir accès au financement, nous avons besoin d'un statut juridique, compte bancaire. Beaucoup d'organisations dépendent des bailleurs physiques. Ces bailleurs ne sont pas des communautés autochtones. Ça, c'est un autre défi. C'est un défi qui nous avons, au niveau de FIMI, nous avons un axe philanthropique que nous pouvons utiliser pour parrainer des projets. Mais nous trouvons que si les organisations qui reçoivent le financement doivent, les organisations bénéficiaires de ces organisations doivent être des organisations avec un statut juridique approprié. Et il est important qu'on ait également des politiques appropriées. La plupart du temps, il y a des restrictions sur la réception des fonds de l'étranger. Cela se passe en Afrique, en Amérique latine. Il est important de tisser des alliances pour faire face à ces situations. Il y a des organisations qui ne sont même pas en mesure de recevoir les ressources de pays étrangers. Donc, une autre chose, malgré ces défis auxquels font face les femmes autochtones qui ont accès à la formation ou qui travaillent déjà dans ce domaine. Nous croyons que la diversité, par exemple, la situation des femmes autochtones, des femmes autochtones handicapées, hein, vivant avec handicap, il faut consentir des efforts pour prendre en compte toutes ces diversités. Des femmes autochtones, au niveau de FIMI, nous avons produit un certain nombre de documents, hein, d'études. Parlons de ces défis et nous avons eu beaucoup de témoignages également sur ces défis. Et tout cela, ces témoignages ont été recueillis et seront soumis à CSW, parlant de nos préoccupations, de bonnes pratiques, mais également des principes. Nous avons également préparé en 2020 un document faisant état de la situation des femmes autochtones 25 ans après la déclaration de Beijing. Nous avons des données du niveau local que vous pouvez trouver sur notre site web, mais également du fonds AINI. Nous avons parlé de toutes ces préoccupations. Nous faisons de notre mieux pour apporter
les ressources plus proches des femmes autochtones. Après le forum de génération égalité, ils nous ont dit qu'ils avaient 40 milliards de dollars pour travailler sur la question de l'égalité en femmes. Où il y avait le financement pour les projets de l'environnement. En écoutant les intervenants, il y a des financements. Il y a des financements qui sont comme des ballons. Nous, en tant que femmes autochtones, nous essayons d'atteindre ces ballons. Mais on n'arrive pas à le faire. Nous avons besoin de la discrimination positive. Il faut continuer les initiatives de discrimination positive pour nous permettre d'atteindre ces fonds, parce que sinon, on n'arrivera jamais à avoir accès à ce financement. Et comme nous le disons, on ne peut rien faire pour nous sans nous. Merci beaucoup, Lourdes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir créé cette alliance. Plus nous sommes, plus forts nous sommes. Merci. Merci. On n'est plus rien. On a ajouté, très bien dit, regardons, étant donné que nous venons de différentes régions, différentes communautés, de partout dans le monde, dans différents espaces, c'est important de voir comment nous pouvons soulever ces obstacles, y compris les obstacles à l'engager, nos voix, nos exigences, où que nous soyons, soit la même. Il est important de s'assurer qu'il y ait le soutien, tisser des alliances, les uns avec les autres, les unes avec les autres, être plus fortes ensemble, s'assurer que les droits des femmes autochtones soient pris en compte lors des opportunités de financement. Merci. À tous les intervenants, aux panélistes, tous les participants, ce qui démontre pourquoi ceci est important. Étant donné les différents fuseaux horaires, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Dernière demande. Si vous voulez bien, allumez vos vidéos pendant quelques secondes pour que nous puissions prendre des photos. Hein? Malheureusement, tout s'est fait encore virtuellement. Mes excuses. Je peux voir qu'il y a une ou deux personnes qui voudraient poser des questions. Marco, restez en contact. Tous nos mails sont là. Vous avez nos mails. Nous allons partager les informations et prendre un certain nombre de suggestions. On va demander aux collègues de prendre une capture d'écran. Très bien de voir différentes personnes de différentes régions, de différents pays. Donc, la page 1. Donc, en prenant les photos, je voudrais saisir de cette opportunité pour remercier notre équipe technique, mais également les interprètes, sans lesquels nous n'aurions pas pu communiquer, parce que cet événement se tient en anglais. Donc, merci beaucoup à nos interprètes pour nous avoir donné cet appui. J'espère que nous avons été assez... notre débit n'était pas très élevé pour permettre de réaliser votre tâche d'interprétation. Donc, c'est important de rester en contact et
nous allons donc suivre ces webinaires avec Amel. Permettez-nous de nous dire quels sont les éléments qui vont vous intéresser. Merci beaucoup. Ce webinaire est clôturé. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit à tout un chacun où que vous soyez.